attention. On va juste leur casser les pieds. Et bim! Ah putain, mais c'est tellement génial! Oh là là, c'est parfait! La puissance de ce jeu, quoi, bordel! Voilà, il n'y a plus qu'à avancer. Bon, dans les bâtiments, ils doivent encore y avoir des ennemis. Et bonjour à tous, aujourd'hui on repart sur Hell Let Loose. Alors on se bat sur la colline 400, on est donc vraiment dans la boue, dans la forêt. On prend possession du point fort tout du long de la partie, et à la fin on profite d'une tête de pont pour lancer un assaut final en attaque. Là c'est ce que vous venez de voir, avec une coordination impeccable avec la frappe. Là c'était donc magnifique, vraiment un super assaut final. De toute façon ce jeu hein, il est grandiose, donc c'est toujours un plaisir d'y jouer et de vous partager tout ça. Si vous voulez jouer ensemble avec la CAQ notamment, vous pouvez essayer de rejoindre, enfin vous pouvez rejoindre le Discord qui est dans la description pour éventuellement faire des parties tous ensemble. Donc voilà, bah j'espère que ça va vous plaire et moi je vous dis à la prochaine, ciao. Ah putain, faut au moins qu'on atteigne la forêt. Bon ok, ça c'est une grosse batteuse, on va essayer. Ah mais c'est nous qui tirons là. On passe bien dans ça. Oh si Bédo il passe, moi je passe. Pas de raison. Ok, là, il y a leur camion. Par l'est, il y a du monde. Ça bouge. Je l'ai eu. Ah, attends, j'ai des potes là-bas, on va pas frag. Allez, ça commence à bombarder. Bédo, il est mort. Bien sûr, faut essayer de pousser point fort. Yes, ça c'est beau. Putain. Allez, saute, chiffon. Allez, messieurs. On est de nouveau en cap. Ok, ça tire de par ici. On essaie de survivre sur point fort. Je crois que je l'ai eu. Et si je l'ai pas eu. L'artillerie. Normalement là il est bon. Bah alors, Hans. On a essayé de camper. Et voilà ce qui arrive aux campeurs. Putain, puis ça tombe bien parce que je me fais complètement bombarder là. Putain, ça se trouve il y en a un autre ici. Non, c'est tout bon. C'est un copain qui marche là ou pas? Il y a moyen que non hein. Ouais si, si. Bien, c'est du monde sur les hauteurs là. Putain! Ah je vais te coucher ici. Je vais un marqueur approximatif. Moi je vais prendre les hauteurs. Vas-y. Bah, un peu de tir pour en aller, gars. Putain. Essayez de prendre les bunkers en attendant. Ça court sur mon ping, attention. Marqueur infanterie. On va garder. Ouais, ils ont un AP. Je vais le détruire. Allez, jette. Yes, c'est bon, avant-poste détruit. Bien joué. Il y en a un qui me shootait en haut. Ouais, la fille. Merde.
Ouais ouais, ils sont beaucoup ici, je viens d'en avoir deux. Ils ont un AP sur l'antenne, je pense. Je vais aller voir. Putain. Ouais, bien pris, Paul. Sim, tu me reçois? Oui. Donc au moment où il est sur PMO, normalement on va aller poser une garnie au sud, d'accord? Vers la paix d'Able, je te mets un marqueur move. Ok. Allez, saute! Ah mais putain, mais c'est je pas... Il a pas été entraîné comme les autres, le mien. Allez! On est sous le feu de l'artillerie. Ah, je vais essayer de le déplacer, les gars, moi aussi, là. Ah putain, dans ce bungers. Non, ah putain, l'enfoiré, l'enfoiré. Okay. Ok, on va essayer de bloquer ça. Ah, j'ai le blindé ennemi là. Alors, ils ont l'avantage de la hauteur, mais c'est pas tant un avantage que ça. Parce que souvent, tu peux moins. Enfin. Peut-être que je suis en train de dire une énorme connerie, mais j'ai l'impression que des fois, quand t'es en hauteur, tu peux moins bien te planquer. Tu vois, quand t'es comme ça et qu'ils sont en dessous, c'est plus difficile de trouver un abri. Alors que quand t'es en dessous, c'est plus facile. Je sais pas si c'est une impression ou si c'est vrai. Mais tu vois. Putain, ça grouille. Ah, ça sur grouille, position, on a. Sur ma position. Ah putain, ça grouille de merde. Tu sais même plus. Tu sais même plus où regarder, bordel. Ah, ça va être impossible ça. Messieurs, marqueur en défendre, on va essayer d'aller poser une garnie là-haut tous ensemble, tant qu'il y a encore des copains avec nous. Ça grouille hein, sur ton marqueur. Ah putain, je me la suis jeté dessus, mais non, mais quel crétin! Ouais, c'est pour ça qu'il faut y aller, les gars. On va flanquer un peu, c'est pas bête du tout. Ah putain. Attention les gars, sur point fort, ça... Ouais, lui il est mort. On a monté la garnie a sauté. Putain, on progresse hein. On progresse. On va réussir à le prendre ce truc. Mais il nous faut des mecs qui ont des mitraillettes une fois sur place, parce que alors dans les tranchées mec, avec mon truc... Je peux pas faire grand chose, à moins de les surprendre. Putain, là c'est pas mal. Jamais moi j'arrive à escalader ça, hein, avec mon chiffon. Et merde, il est mort. Puis on fait du bruit dans cette boue. Oh putain. Allez, espèce de crétin. Traité dans le bunker. Non ! Putain, sur mon corps il y a la garnison ennemie, j'étais en train de la détruire. Frag. Grenade. Ok, la paix a sauté, je prends des poids sur point fort et je vais le reposer. Putain, je crois pas que je l'ai eu en plus. Les gars, on se re... Je peux on te la garder ennemie arrivée, s'il vous plaît. Ok, je te rejoins. Putain, j'étais à deux doigts de la détruire cette... Garder ennemie pétée sur la colline. Yes, bien joué. C'est bon, il a détruit la garnison ennemie. Ah, sûrement on là. On va s'occuper de poser la garnison. Il y en a pris, il y en a un là qui sort du bunker. J'ai détruit un avant-poste. Attention. Ah ouais, GG les gars. C'est bien, mais là ça va arriver par le sud en masse. Donc j'ai besoin que vous reveniez sur point fort. Ok, reçu. Chier. Putain, on leur a pété une garnison et un avant-poste en 3 minutes. Je confirme, mâchez-vous du sud. Il arrive par là, j'en ai vu plein. Ok, bah on va aller chercher au sud. Putain, mais magnifique. Et on va... Là, il y a moyen que je les prenne de flanc, voire que je les contourne.
coup on va tendre les oreilles, essayer de... d'entendre où se trouve soit un avant-poste, soit une garnison, ça pourrait être magnifique. De couper leur flux. De... On voit rien côté sud, côté est, y'a quelque chose? Sud, j'ai rien, ouais, je pars sud-est. Ok, je pars sud-est. À ouest, j'ai du monde. À ouest? Putain, bah on les a complètement détendus. Ouest, les gars. Ouest. E6, E7. E6, E7, ouais, donc plein ouest. Allez, c'est parti. Voilà, ça commence à chauffer. Ouais, merci les gars. Faites l'armel de ma part. À toutes. Yes. Yes, lui il est mort. Il est sur mon pied. Ouais, confirme. Il y a du monde par là. Ah, il smoke. Smoke là, ils vont arriver par nord-ouest. Ils ont smoke. La smoke là, le médic. Ah, c'est le médic, tu crois? Ah, c'est possible, ouais. Ah, j'en ai un. J'ai mis du. Bon, je pense pas qu'il y avait quelqu'un ici. Je vais redéployer en. Ah putain! Tu sais ce que je suis chaud de faire là? À la limite, je vais spawn à la garnison à l'ouest et essayer de les flanquer. Oh. Les gars, on reste bien en def. Sur le point fort. Qu'est-ce qu'il foutait ici lui? Fais gaffe, c'est pas safe, je viens d'en traiter un ici. Hein. Pas bien pris, toi. Bim, l'anti-tank. L'anti-tank d'ailleurs qui a pas du tout entendu le moteur de mon pote. Commandant d'ailleurs. Ouais, sur ton ping, je viens de traiter un anti-tank. Là, je les flanque complètement. Y'a moyen qu'ils aient foutu un AP ou un truc par ici. Hein. Peut-être même dans ce bunker là. On va essayer de choper ça. Putain, ce serait génial que j'arrive à le faire sauter. Ah, ça se moque devant moi là. Pas du tout confiance avec ce bombardement. Putain, ça se rapproche en plus. Ça se rapproche derrière moi là, c'est insupportable. Ok. J'ai entendu un mec. Je sais pas si je l'ai eu. Il était vers là, là. Okay. Putain, il est juste au-dessus de moi. Il y a un mec, mais... Il y en a un autre, c'est sûr. Ok, non, c'était peut-être juste lui. Merde! Vois pas du tout. Peut-être derrière un arbre quand il a tiré, mais j'ai vu aucun flash. Émission ping, ping précis. C'est bon, j'ai eu celui qui t'a tiré dessus, Azugli. Il s'est pris une tête. Putain. T'as du monde? Ouais, un petit peu, ouais. Yes, je l'ai eu. Il était en train de se patcher. Ah, c'est un enfer, c'est un enfer.
Ah, je l'ai pas du tout vu. Yes. Ah putain, là c'est... Oh les gars, mec, il m'a appris à voler là. Ah, je crois que ça va pas, je suis d'accord. Ça se rapproche de la garnison. Les gars, échappe au déploiement en tête de pont. Tout le... Ok. Ok les gars, on va prendre la tête de pont. Ah ouais, putain, ça va être balèze ça. Ah ouais. Excellent, il y a eux qui font du bruit. Allez les gars, la tête de pont est bonne. Je sens que ça va être chaud sur la ça tête de pont. Ça pique direct, ouais. Je pose un AP tout de suite. Excellent. Dans ces bâtiments, ça a l'air de passer. Traité. Encore des cibles là-bas. Ok. Alors, c'est parti. Petit AP qui va bien. Putain, magnifique, la tête de pont. Regardez-moi ça, cette tête de pont magnifique. N'hésitez pas à ping pour vos collègues. Alors là, on les prend en étau. Ils ont les couilles dans un étau. Ouais, sur, dans la grange là-bas, sur ping, ça grouille au moins 2 ou 3 packs. Ouais, ouais, ils sont dans ce bâtiment. On ne peut pas trop s'avancer, il va y avoir un bombardement sur le... Oh yes, ils vont se faire bombarder. Merci. Allez, une position. On reste après le bombardement. Bon, on va juste leur casser les pieds. Et bim! Ah putain, mais c'est tellement génial! Oh là là, c'est parfait! La puissance de ce jeu, quoi, bordel! Frère, voilà, y'a plus qu'à avancer. Bon, dans les bâtiments, il doit encore y avoir des ennemis. Parce que. Ça détruit pas non plus tout le monde. Petite frag, s'il en restait un. Go. Oh là 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 là, la prise de points quoi. Magnifique. Allez les gars, bien sur le point fort s'il vous plaît. Putain, il a réussi à survivre lui. Attention les gars, ça vient du sud, soi-disant. Ouais, j'ai l'impression. Sud-sud-est. Allez, on est bien là. Si on survit pas fort, les gars, on gagne. Putain, c'est propre. Là-bas, y'en a un. Bombardé, je crois. Ah, je le vois plus. Putain, c'est pas passé loin ça. Je suis où moi? Je suis ici. Quel point? Juste derrière. Allez, et magnifique. Magnifique.